Au cours de cette audience, nous lui avons rendu compte de la situation de sécurité globale de notre région. Nous lui avons aussi présenté cette situation qui est véritablement une situation d'accalmie au plan sécuritaire. Actuellement, les populations du centre-sud vaquent sereinement au quotidien à leur activité sans inquiétude majeure. Nous lui avons aussi fait le point de certaines situations, je dirais bien des contraintes liées à la promotion du développement dans notre région. Et à ce niveau, il y a de l'évolution en termes de satisfaction de ces doléances qui ont été présentées en août 2023. Également, les chefs de circonscription ont soumis quelques contraintes liées à la bonne conduite de leur mission sur le terrain. Et il y a beaucoup de promesses à ce niveau en termes de réformes et en termes de satisfaction. Au niveau des doléances qui ont été réalisées, nous avons la mobilité d'abord des chefs de circonscription administrative. Il y a le gouverneur, les hauts commissaires, à ce niveau il y a la satisfaction. Du renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité de la région du centre-sud. Ça s'est passé également et nous le ressentons. Le sentiment de sécurité a grandi au sein de la population. Nous avons assisté à l'ouverture de certains postes de sécurité et ceux qui avaient quelques difficultés ont pu reprendre de service. Au plan socio-économique, il y a vraiment de l'évolution. Et il y a d'abord la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures où les travaux vraiment soit ont connu une relance, c'est le CHR de Manga. Et l'ouverture est prévue pour courant ce semestre. Il y a également la reprise des travaux de la salle polyvalente de Manga. Les travaux sont en cours. Nous avons quelques études en prélude au bitumage de la RN29. L'étude a été bouclée en 2029. Au niveau de Pau, il y avait les travaux de la maison d'arrêt et de correction de Pau qui étaient à l'arrêt. Et ces travaux aussi ont repris. Nous avons le groupement de gendarmerie de Manga. Là-bas aussi, les travaux étaient à l'arrêt. Ça a bien démarré. Les travaux se poursuivent. Donc, et bien d'autres situations où on peut dire que vraiment il y a de l'évolution. Soit c'est totalement satisfait, soit c'est en cours ou en attente d'examen.